Chers parents, MCRTV NF convie les enfants de Pointe-Noire, dont l'âge varie entre 5 et 13 ans, de prendre part à une émission de divertissement culturel et dédiée, Club des enfants. Attention, les inscriptions se font du lundi au vendredi de 9h à 17h. Enregistrez vos enfants au 06 564 31 00. Sponsor Congo Yao. Attention, attention, tous les petits enfants. Oh les yaourts. Le papa. Le papa de tous les enfants. Congo Yao qui toco. Congo Yao ma casse. Bon. Papa top. Congo Yaourt est une gamme de produits aux arômes variés. Coco, banane, fraise, ananas et vanille. Exigez Congo Yaourt. Disponible dans tous les points de vente. Grande et ma joie d'être parmi vous ici aujourd'hui au Club des enfants pour ce nouveau numéro. Comme vous le constatez, chers téléspectateurs, chers parents, chers mamans, nous avons trois groupes, le groupe A, le groupe B et puis le groupe C. Et nous avons trois rubriques, le journal des enfants, culture générale et puis jeux et concours. Comme je disais tantôt, nous allons commencer par le journal des enfants où les enfants font la lecture et les membres du jury sont là pour noter. Les enfants vont choisir leur candidat au choix et ensuite ces candidats vont choisir leur sujet. Alors, on va commencer avec le groupe A. Bonjour les enfants d'abord. Bonjour tout le monde. Bonjour Tatalo. Est-ce que vous êtes content d'être ici ce matin avec moi? Oui Tatalo. Ah, on dirait pas. Si vous êtes content, acclamez pour vous-même. Super. Alors nous allons commencer avec le groupe A. Comme d'habitude, le groupe A va choisir, vous allez choisir votre candidat. Alors le groupe A, vous avez déjà choisi un candidat. C'est un garçon. Voilà, très bien. On acclame pour le garçon. Voici le candidat. Super. Alors tu t'assois d'abord. On continue le groupe B. Le groupe B, vous allez choisir aussi votre candidat ou une candidate. Alors on vous regarde pour le candidat ou la candidate. Super. Tu peux te lever. On acclame pour la candidate. Nous passons au groupe C, pardon les enfants. Le groupe C aussi, vous allez choisir votre candidat ou une candidate. Alors c'est qui? C'est elle. Alors les trois candidats vont se lever. On acclame pour les trois candidats. Alors venez, passez là devant. Les trois candidats vont choisir un sujet. Voilà, il y a les sujets devant vous, devant la table. Prenez un sujet. Le candidat du groupe A, le groupe B et ensuite le groupe 3, voilà. Voilà, voici nos trois candidats. Question de mettre les enfants dans le bain, nous allons demander un jingle de l'autre côté le temps que les enfants vont faire une petite lecture. On vous revient tout à l'heure, merci. Nous poursuivons notre rubrique journal des enfants. On va commencer avec le premier candidat qui va d'abord se présenter. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on t'appelle? Tu peux regarder la caméra et puis tu reprends. Je m'appelle Ryan. Ryan qui? Kabirou Ryan. Tu as quel âge Ryan? J'ai 10 ans. Tu as 10 ans Ryan. Ok, donc tu vas faire la lecture. On te suit. La poliomyélite. Est une maladie très contagieuse provoquée par un virus. Le poliovirus qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irrévisibles. Depuis les années 60, cette maladie peut être
prévenus grâce à des vaccins efficaces. On acclame pour le premier candidat pour l'encourager. Tu pars pas, tu restes là, tu passes le micro au deuxième candidate. Tu te présentes d'abord, bonjour. Bonjour, je m'appelle Kabirou Fariat. Tu as quel âge, Fariat? 13 ans. Ok, on t'écoute pour la lecture. La République du Congo est un pays à revenus intermédiaires qui dispose de ressources naturelles abondantes et d'une population de quelque 5 millions d'habitants. Globalement, jeunes, urbanisés et éduqués. Toutefois, après une décennie marquée par une forte croissance économique et une certaine stabilité, la situation s'est dégradée suite à la chute des cours du pétrole et à la détérioration du climat politique. On acclame pour la deuxième candidate. On passe à la troisième candidate. Bonjour. Bonjour. Tu as l'air timide. Pourquoi ? Ça va ? Oui. Ah, super. Tu vas bien ? Alors, tu vas te présenter. Tu te présentes d'abord. Comment est-ce qu'on t'appelle ? Je m'appelle Matango Tina Cleva. Parfait, parce qu'il y a maman qui te suit depuis la maison. Elle ne va pas t'entendre. Je m'appelle Matango Tina Cleva. Ok. Donc, tu vas faire la lecture. Le Congo a célébré la fête nationale du 15 août. Après... À travers une prise d'année symbolique au réunisse à l'éclonade du parler des quand un en raison des contraintes liées à la pandémie de COVID-19, le président a rendu hommage aux parents de l'indépendance et aux différents jeux précise aux destinataires du Congo depuis son accession à la SUFA traite internationale. On acclame pour l'encourager. On acclame pour l'encourager. Tu me rappelles ton prénom tout à l'heure, tu as dit Ryan, c'est ça? Oui. Ryan. Tu es venue avec qui aujourd'hui, Ryan? Je suis venue avec ma soeur et mon frère. Ta soeur et ton frère qui sont là? Ils sont parmi les candidats. Ah, ils sont parmi les candidats. Ah, c'est super. Ok, d'accord. Donc, papa et maman sont restés à la maison, c'est ça? D'accord, tu vas faire un gros coucou à papa et maman qui te suit. Tu dis coucou, papa, maman. Coucou, papa, maman. Ok, tu vas aller t'asseoir. Tu donnes le micro à la deuxième candidate. Alors, est-ce que tu es venue avec qui? Mes frères. Tes frères. Donc, les parents sont restés à la maison, c'est ça? Tu vas faire un gros coucou. Tu remercies les parents depuis la maison de t'avoir accordé de venir au Club des Ans. Tu dis merci, papa, maman. Merci, papa, maman. Ok, tu donnes à l'autre. Et toi, tu es venue avec qui? Je suis venue avec ma mère. Avec ta mère. Oh, maman, elle est adorable. Hein, ça fait comment?
Elle s'appelle Maman Bertie. Maman Bertie, tu vas faire un gros coucou à Maman Bertie. Dis merci Maman Bertie de m'avoir accompagnée au club des enfants. Merci maman de m'avoir accompagnée dans le club des enfants. Super. C'était la première rubrique, chers parents, chers téléspectateurs, le journal des enfants. Donc tout à l'heure, nous allons passer à notre deuxième rubrique de culture générale. Relax Junior 2.0, l'eau de la jeunesse. Découvrez l'eau de source Relax, captée de la nappe phréatique dans les terres fortunées de Ngoyo. Très faiblement minéralisée, d'une grande pureté, légère et agréable à boire, l'eau Relax répond aux besoins de toute la famille. Nouveau format accessible au prix réduit, 100 francs CFA, Relax Junior 2.0. Avec Relax, étanchez votre soif et faites des économies. La gamme Relax est également les formats 600 ml à 200 francs, 1,5 litre bouteille avec manche 350 francs et 6,5 litres à 800 francs. Relax, votre eau de source, source de bien-être. Distribution et plus d'infos, 05 571 48 48, 06 426 36 36. Merci à nos amis les 2F. On acclame pour les amis les 2F. On acclame très fort pour nos amis les enfants. Voilà, chers téléspectateurs, c'était les amis de DF. Nous poursuivons notre émission avec la deuxième rubrique, la rubrique culture générale. Voilà, on va commencer avec la culture générale, où je pose les questions et les enfants répondent tout en faisant une concertation ensemble. Ok, on répond ensemble, il y a des ardoises, la réponse est écrite sur des ardoises. Nous avons trois ardoises pour trois groupes, le groupe A, le groupe B et puis le groupe C. Voilà nos ardoises. Alors, nous continuons toujours avec notre choix. Ce sont les enfants, c'est pas Tata Love qui fait le choix, mais ce sont nos enfants qui font le choix. Le groupe A, la candidate, c'est une jeune fille. Bravo, on l'encourage, on la clame pour elle. Voilà, toi tu prends l'ardoise déjà et puis on crée. Et le groupe B, c'est qui le candidat ou la candidate? Il n'y a que des femmes, mais non, il y a un garçon ici aussi. Il n'y a pas de garçon ici. Donc, c'est vous qui choisissez. Hein. Alors, vous choisissez le candidat ou la candidate? C'est qui votre... D'accord, on l'acclame pour l'encourager. Voilà. Et on passe au groupe C. Au groupe C, votre candidat ou candidate, vous choisissez. Ah, c'est le garçon. On fait un garçon. On acclame pour lui. Alors les enfants, soyez attentifs parce qu'on va débuter avec les questions. Là, il faut être concentré et vous allez répondre tous ensemble. Ok, c'est pas une personne qui travaille. Vous travaillez ensemble. Ok. Donc quand je pose une question, vous vous concertez et puis vous écrivez sur l'ardoise. On est d'accord? Alors je vais commencer avec l'histoire. On commence avec l'histoire, ok? On commence avec l'histoire. La première question, soyez attentifs. Quel est le nom du président de la République du Congo? Je reprends la question. Quel est le nom du président de la République du Congo? Alors, vous avez le temps, les enfants, de vous concerter. Concertez-vous, allez trouver la réponse ensemble et puis écrivez sur l'ardoise. Je reprends la question pour vous. Quel est le nom du président de la République du Congo? Le groupe A, le groupe B et puis le groupe C. J'espère que vous avez déjà choisi vos candidats qui vont répondre. On y va les enfants, concentrez-vous et puis donnez la réponse. Le groupe A, vous êtes prêts? D'accord. Le groupe B, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Le groupe C. Alors les trois candidats vont se lever avec l'ardoise. Levez-vous avec l'ardoise. Les trois candidats, vous allez devant. On vous laisse la place. Allez-y. Je repose la question avant de répondre. Quel est le nom du président de la République du Congo? Le nom du président de la République du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. On acclame pour la première candidate du groupe A. La deuxième candidate, je repose la même question. Quel est le nom du président de la République du Congo? Le nom de la République du Congo est Denis Sassou Nguesso. On acclame pour la deuxième candidate, le groupe B. Enfin, le candidat, le garçon, voilà. Quel est le nom du président de la République du Congo? Sassou. On a
clin pour le garçon, tu montes la danse. On va reprendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il a été très, tellement trop direct. On va reprendre pour le garçon, voilà. Comprenez, hein, c'est un homme, c'est un garçon. Je reprends la question, tu m'écoutes. Quel est le nom du président de la République du Congo? Tu regardes la caméra et puis tu montes ton ardoise. Le nom de la du président est Sassou. Oh, la clin pour lui. Ah oui, c'est un garçon, hein? Non, c'est un homme, comprenez. Il est direct. On prend la deuxième question. Et si vous voulez, vous pouvez changer de candidat. Le groupe A? Le groupe A? Vous pouvez changer de candidat. On est d'accord, les enfants, vous me suivez là? Je sais que vous êtes chauds là, vous êtes chauds, vous êtes tous excités là, ça bouge de partout. Mais attendez, on va commencer par le groupe A. On commence par le groupe A. Le groupe A, vous pouvez changer de candidat, voilà. Super. Et le groupe B là, vous avez changé de candidat? Est-ce que vous avez choisi votre candidat? Oui. Super. Le groupe C? Super. Allez, on va aller avec la deuxième question. Toujours en histoire, hein, ok? Suivez, soyez attentifs. Vous aurez tout le temps pour répondre. Donnez la date de l'indépendance du Congo. Les enfants, donnez la date de l'indépendance du Congo. Le groupe A, concertez-vous, c'est un travail en équipe. Allez-y, répondez ensemble et puis écrivez la réponse. Le groupe B, donnez la date de l'indépendance du Congo. Le groupe C, je reprends pour vous, donnez la date de l'indépendance du Congo. Allez, on se concerte les enfants, c'est un travail en équipe, en groupe. Allez, on se concerte les enfants, trouvez la réponse, écrivez sur l'ardoise. Le groupe A. Le groupe B et puis le groupe C. Donnez la date de l'indépendance du Congo. Est-ce que le groupe A, vous avez fini? Oui. Super. Ah, vous êtes chaud là-bas, hein? Ça chauffe ici. Hein? Quelle ambiance. Ok. Le groupe B, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Super. Le groupe C, est-ce que vous êtes prêts aussi? Oui. Très bien. Alors, nos trois candidats vont se lever. Levez-vous. On fait comme les autres, on se place devant. Et la première candidate, tu vas prendre le micro. Je veux reposer la question avant que tu puisses répondre, ok? D'accord. Donnez la date de l'indépendance du Congo. C'est le 15 août de 1960. On acclame pour la première candidate. C'est formidable. La deuxième candidate du groupe B, donnez la date de l'indépendance du Congo. Le 15 août 1960. On acclame pour elle. Enfin, le garçon, donnez la date de l'indépendance du Congo. Le 15 août 1960. On acclame pour nos trois candidats. Tu vas déposer le micro. On va finir avec l'histoire. La dernière question. Alors, choisissez. Choisissez les candidats. Le groupe A, vous avez choisi? Ah, les filles. Le groupe B, vous avez choisi? Super, un garçon. Et le groupe C, la candidate. Super, les ardoises. Soyez attentifs, les amis. Allez, on suit d'abord avant de discuter. On suit et ensuite, vous allez trouver la réponse ensemble. On est d'accord? Alors, suivez. La dernière question en histoire, comment appelle-t-on l'hymne national du Congo? Allez, on se concerte les amis, on se concerte ensemble. On cherche la réponse ensemble, le groupe A, le groupe B. Je reprends la question, comment appelle-t-on l'hymne national du Congo? L'hymne national du Congo, on séjourne, le soleil, il y a un nom. Donc il a un nom, alors comment on appelle l'hymne national du Congo? Le groupe A, oui, concertez-vous. Le groupe B, le groupe C. Concertez-vous la réponse. C'est bon, vous avez déjà écrit? Super. Le groupe C déjà? Ok. Et le groupe A? Pardon les enfants, le groupe A, vous êtes prêts? On attend le groupe A. On attend le groupe A. Alors tout le monde est prêt, hein? Tous les trois groupes, vous êtes prêts? Nos candidats, allez, levez-vous s'il vous plaît les enfants. Ceux qui ont des ardoises. On se place devant, on fait comme les autres. On se place devant. Comment appelle-t-on l'hymne national du Congo? La congolaise. On acclame pour elle. Tu passes le micro. Tu passes le micro au deuxième candidat. Comment appelle-t-on l'hymne national du Congo? La congolaise. La congolaise. On acclame pour lui. Donne le micro à l'autre.
Comment appelle-t-on l'hymne national du Congo? La congolaise. Tu montes en ardoise, chérie. Tu montes l'ardoise, vas-y, tu reprends. La congolaise. On acclame pour elle. Alors les enfants, qui peut me dire comment se crée un arc-en-ciel? Alors les enfants, vas-y. C'est le jus Congo Yaourt qui crée l'arc-en-ciel. Difficile de résister à sa présence. Les jus Congo Yaourt boostent l'intelligence de vos enfants. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 05 577 49 12 ou le 06 426 36 36. Congo Yaourt. De retour sur notre plateau du Club des Enfants, on continue avec notre culture générale, les enfants. Cette fois-ci, nous passons à la culture, toujours avec des ardoises. Le groupe A, vous avez choisi votre candidat déjà? Oui. Ah, super, c'est bien. Et le groupe B? Oui. Le groupe C? Ah, les enfants sont chauds ici, hein? C'est bien, c'est l'ambiance, ça se passe au Club des Enfants. Alors, on va poursuivre. On va commencer pour la première question en culture. Donnez le nom de la chaîne qui fait passer l'émission Club des Enfants. Je reprends la question, les enfants, suivez-moi. Je sais que vous êtes chauds, là. Le groupe A, le groupe B et puis le groupe C. Donnez le nom de la chaîne qui fait passer l'émission Club des Enfants. On se concerte, hein? On se concerte, c'est un travail en groupe. Le groupe A? L'émission Club des Enfants, ça passe sur quelle chaîne? C'est un travail en équipe, un travail en groupe. Je reprends la question pour vous. Donnez le nom de la chaîne qui fait passer l'émission Club des Enfants. Si vous suivez souvent Club des Enfants, ça passe sur quelle chaîne? Est-ce que nos candidats sont prêts? Est-ce que nos candidats sont prêts? Oui. Au Club des Enfants, on est comment? On est voilà. Ah, vous êtes fatigués là, oh là là. On est où ça? Avec Tata Love, on est comment? On est dans la joie, on est dans l'ambiance, on est où ça? Alors les candidats devant, alors, on vous attend devant les candidats. Devant les candidats, ici la candidate. Allez, placez-vous. Donnez le nom de la chaîne qui fait passer l'émission Club des Enfants, la première Victoria. MCRTV. On acclame pour elle. Tu passes le micro au deuxième, le garçon. Donnez le nom de la chaîne qui fait passer l'émission Club des Enfants. MCRTV. Tu montes en ardoise, il faut montrer l'ardoise. MCRTV. On acclame pour lui. Oui, la dernière. Donnez le nom de la chaîne qui fait passer l'émission Club des Enfants. On acclame pour eux. On remet le micro. Alors nous poursuivons avec les questions de culture. Changez les candidats, les enfants, choisissez un autre candidat. Tout le monde doit participer. Choisissez déjà. Le groupe A, vous avez déjà choisi le candidat? Coucou les amis, vous avez choisi le candidat? Super. Le groupe B? Oui. Déjà, très bien. Et le groupe C? Très bien. Alors la deuxième question, soyez attentifs. La deuxième question. Donnez la fréquence de la chaîne MCRTV. Si vous suivez MCRTV, si vous suivez le Club des Enfants, c'est sur quelle fréquence? On est sur Canal maintenant, c'est sur quelle fréquence? Je reprends la question. Donnez la fréquence de la chaîne MCRTV sur Canal+. Le groupe A, vous êtes prêts déjà? Oui. Le groupe B? Oui. Et puis le groupe C. Alors nos candidats vont se lever si vous êtes prêts. Nos candidats se lèvent, on se place devant. Donnez la fréquence de la chaîne MCRTV sur Canal+. 336. On acclame pour lui. Je reprends la question pour la candidate. Donnez la fréquence de la chaîne MCRTV sur Canal+. 336. On acclame pour elle. Et enfin, la dernière candidate. Donnez la fréquence de la chaîne MCRTV sur Canal+. Sur 336. On acclame pour les trois.
Tu peux lire la réponse? Donner la fréquence de la chaîne MCR TV sur Canal+. Sur Canal+. On acclame pour l'encourager. On acclame pour l'encourager. Alors, nous poursuivons avec les questions. Changez de candidat. Faites le choix des candidats. Le groupe A, choisissez déjà votre candidat. Le groupe B et le groupe C. C'est un travail en équipe. On est d'accord? On reprend ensemble. Vous êtes prêts déjà, les candidats? Oui. Est-ce que vous êtes prêts, les candidats? Le groupe A, vous êtes prêts? Oui. Le groupe B, vous êtes prêts? Oui. Et le groupe C? Oui. La question. Quelle est la devise du club des enfants? Je reprends la question, les enfants. Quelle est la devise du club des enfants? Répondez sur l'ardoise. Est-ce qu'il y a un groupe qui est prêt déjà? Oui. Le groupe B, vous êtes prêts? Oui. Super. Le groupe C? Le groupe A, on vous attend, les amis. On vous attend, les amis. Quelle est la devise du club des enfants? Vous êtes prêts? Oui. Les trois candidats vont se lever. Les enfants, montrez vos ardoises quand vous répondez aux questions, ok? Oui. Les trois candidats, debout. On a besoin de vous. Ah, le groupe, c'est vous n'êtes pas prêts encore? D'accord, allez-y. On vous attend. On attend le groupe C, s'il vous plaît. Placez-vous déjà. Les deux premiers candidats, placez-vous déjà. Pendant ce temps, on attend le groupe C, la candidate. Oui, tu prends déjà le micro. Super. Alors, on va commencer avec le garçon, le premier groupe. Quelle est la devise du club des enfants? Tu présentes ton ardoise. La devise du club des enfants est « On est dans la joie, on est dans l'ambiance, on est où ça ?» On acclame pour lui. Tu passes le micro à l'autre. Quelle est la devise du club des enfants? La devise du club des enfants. On est dans la joie, on est dans l'ambiance, on est où ça? On acclame pour elle. Enfin la troisième, quelle est la devise du club des enfants? La devise du club des enfants. Je présente ton ardoise, ma chérie. La devise du club des enfants. On est dans la joie, on est dans l'ambiance, on est tout ça. Avec Tata Love, on est comment? On est dans la joie, on est dans l'ambiance, on est où ça? On est dans la joie, acclamez pour vous-même. Alors, nous poursuivons avec les questions, nous poursuivons avec les questions de culture. Soyez attentifs, vous avez déjà choisi les candidats? Déjà? Le groupe A, vous avez choisi là? Ah, super. Le groupe B? Oui. Le groupe C? D'accord. Soyez attentifs, écoutez la question. Donnez le nom d'un musicien congolais que vous connaissez. Un musicien congolais de chez nous ici que vous connaissez. Allez, concertez-vous les enfants, c'est un travail en équipe. Mais le groupe C, il y a quoi ici? Pourquoi vous êtes... Qu'est-ce qui se passe? Ça va ici? Ça va? Vous êtes sûr? Ça va bien? Est-ce que ça va? D'accord. Vous écrivez sur la note, vous vous concertez. Un musicien, un chanteur congolais. Vous ne connaissez pas? Vous ne suivez pas la télé? Alors, donnez, cherchez. Allez, on y va. Et puis, écrivez le nom. Vous suivez MCR TV, non? Il y a plein de musiciens congolais qui passent à MCR TV. Allez, cherchez les enfants. Allez, on se concerte. Vous suivez MCR TV, non? MCR TV fait passer beaucoup de musiciens congolais. Allez, cherchez les amis, cherchez. Je veux pas, tu peux passer, s'il te plaît. Vous êtes prêts? Super. Coucou ici, ça va? Vous avez déjà la réponse? Ok, super. Ok. Donc, le groupe C, vous avez la réponse? Un musicien congolais de chez nous, hein? Du Congo ici. Hein? Ok. Ils sont nombreux. Alors, le groupe A, vous êtes prêts, le groupe A? Le groupe B? Oui. Le groupe B? Oui. Le groupe C? Attendez les enfants, vous n'allez pas me dire que vous ne suivez pas la télé. Hein? Si, si. Vous n'allez pas me dire que vous ne suivez pas la télé. Si. Qui suit MCR TV? Levez les mains si vous suivez MCR TV. Mais alors, donc vous allez écrire, vous allez trouver. Alors, nos candidats, levez-vous. C'est que vous allez trouver. Hein? On se lève les candidats. On se place devant. Donnez le nom d'un musicien congolais que vous connaissez. Tu reprends fort, s'il te plaît. Roga, Roga. On acclame pour elle. Non, tu pars pas, tu restes là. Tu restes là. On passe aux deuxième candidates.
au deuxième candidat, donnez le nom d'un musicien congolais que vous connaissez. Mon Christ. On acclame, ouais. On passe au garçon. Donnez le nom d'un musicien congolais que vous connaissez. Fally. On acclame pour l'encourager. Fally, du Congo Kinshasa, mais c'est un Congolais aussi. Alors, on acclame pour les trois groupes. Alors, les enfants, vous allez vous asseoir. Merci, les enfants. On met le micro. Les ardoises, on échange. On échange, les enfants, on échange. Faites passer les autres, ceux qui ne sont pas passés, ok? Au club des enfants, on a dit c'est la joie. On est dans la joie, on est dans l'ambiance et on est dans ça, n'est-ce pas? Allez, trouvez déjà le groupe A. Vous avez trouvé votre candidat? Oui. Super, le groupe B. Oui. Le groupe B et le groupe C. Soyez attentifs. La question. Suivez-moi les enfants, suivez-moi. Donnez le nom d'un instrument de musique que vous connaissez. Je reprends la question. Concertez-vous, c'est un groupe, c'est un travail en équipe. Allez, trouve la réponse tous ensemble. Je reprends la question. Donnez le nom d'un instrument de musique que vous connaissez, les enfants. Le groupe A, le groupe B et puis le groupe C. Écrivez vos réponses sur l'ardoise, pardon, j'allais dire. Donnez le nom d'un instrument de musique que vous connaissez. Allez, on se concerte, les amis. Super, vous avez déjà la réponse. Le groupe B. Le groupe B. Et le groupe C là-bas, c'est prêt? Ah, super, c'est chaud ici, hein, oh là là. D'accord, on va s'élever, nos candidats, on se lève. Le groupe A. Le groupe B. Le groupe B, le candidat. Doucement, là. Le groupe C. Qui n'est pas encore facile. Ah, merci, chérie. Le groupe C. On attend le groupe C. On attend. Le groupe C. Le groupe C. Voilà, je vais relire la question. Donnez le nom d'un instrument de musique que vous connaissez. Victoria, tu commences. L'instrument de musique, le piano. Oh, la clap pour elle. Alors, on passe au deuxième garçon. Donnez le nom d'un instrument de musique que vous connaissez. L'instrument de musique, la guitare. On a clap pour lui. Et enfin, la troisième. Donnez le nom d'un instrument de musique que vous connaissez. La guitare. On a clap pour elle. On a clap très fort pour les autres. Télé. Ouais. Quelle émission? Est-ce chic? Ouais. Est-ce cool? Ouais. Chante ensemble. Une émission de détente. Vive le club des enfants. Et aussi de culture. Vive le club des enfants. Forme le mental. Vive le club des enfants. C'est la compétition. Vive le club des enfants. Vous êtes créativité. Bloqué. Allons danser.
Attention, attention, tous les petits enfants. Olé yaourt. Le papa de tous les enfants. Congo yaourt qui toque. Congo yaourt ma casse. Bon. Papa top. Congo yaourt est une gamme de produits aux arômes variés. Coco, banane, fraises, ananas et vanille. Exigez Congo yaourt. Disponible dans tous les points de vente. Eh oui, c'est l'ambiance au club des enfants. On est dans la joie, on est dans l'ambiance et on est où ça? Nous poursuivons avec notre rubrique jeux et concours. Nous passons à la poésie. Alors les enfants, est-ce que vous êtes prêts pour la poésie? Oui, Adam. On ne dirait pas, hein, le groupe oui. A, vous êtes prêts pour la poésie? Oui, Dada. Le groupe B, est-ce que vous êtes prêts pour la poésie? Oui, Dada. Et le groupe C, vous êtes prêts pour la poésie? Oui, Dada. Ah, le groupe C, vous n'êtes pas prêts, ah, là, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que le groupe C, vous êtes prêts pour la poésie? Oui, Dada. On acclame très fort pour les trois groupes. On acclame très fort pour les trois groupes, les enfants. Super, nous passons à la poésie. On commence au groupe A. Oui, tu te lèves. Je te place devant. Le groupe B. Le groupe B. Le groupe C. La poésie. On se place devant les enfants. Allez, nos candidats devant. Tu te présentes d'abord. Bonjour la copine. Bonjour. Comment est-ce qu'on t'appelle? Je m'appelle Boalé Emmanuel Astrid. Astrid, tu as quel âge Astrid? 11 ans. 11 ans, tu es en quelle classe? Je suis passée en 6e. En 6e, super Astrid. Tu es venue avec qui? Avec maman. Avec maman, maman s'appelle comment? Maman Nicole. Mais attends, tu réponds, tu as le visage serré, tu as peur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu réponds comme ça? Non, rien. D'accord, là je te retrouve parce que tu as fait un grand sourire. Ok, d'accord. Alors tu vas réciter. Poésie, sois prudent, fais de tes membres des instruments du devoir et prends une source de paix. Agis toujours en ça, car une pierre lancée peut crever l'œil du voisin. Une main levée peut entraîner une blessure. Un grand cochon peut creuser une fracture et un ruelle qui tombe sur le corps humain peut l'affaiblir, car le destin engendre les sandis. Et non, ma basse. On acclame très fort pour elle. Alors dis-moi Astrid, qui t'a appris à réciter comme ça? Ma maîtresse. Ta maîtresse, elle s'appelle comment la maîtresse? La maîtresse Astrid. La maîtresse Astrid. On va faire un gros coucou à la maîtresse Astrid qui nous suit depuis la maison. Dis merci madame. Merci madame. Merci madame Astrid. Merci madame Astrid. Et un gros coucou aux parents aussi qui t'ont permis d'être ici ce matin. Tu dis merci papa, merci maman. Merci papa, merci maman. Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter? Bonjour, je me présente. Je m'appelle Ololongate Modestine. Modestine, tu as quel âge? J'ai 8 ans. Tu as 8 ans. Tu es en quelle classe? Je passe en CM1. En CM1, super. Tu vas réciter? Oui. D'accord, on t'écoute. Poésie, les lignes de nos mains. Les lignes de nos mains sont des lignes de vie. Le destin, le cœur, l'amour, les doux chaînes qui nous lient les uns aux autres, les vivants au monde. Les lignes de nos mains, ni blanches, ni noires, ni jaunes. Les lignes de nos mains unissent les bouquets de nos rêves. Bernard Dadier. On acclame pour elle. Qui t'a appris à réciter? La maîtresse Fédra. La maîtresse qui? La maîtresse Fédra. Fédra. Tu vas faire un gros coucou à la maîtresse Fédra qui te suit. Merci la maîtresse Frida de m'avoir appris cette poésie. Bonjour la copine. Bonjour Tata Laure. Ça va? Oui Tata Laure. Okay. Tu peux te présenter? Je m'appelle Matondo Cecilia Benicia. Benicia, mais je t'entends pas bien Benicia. Tu as quel âge? J'ai 9 ans. Tu as 9 ans. Super. Tu es venue avec qui, Benicia? Je suis venue avec ma grande sœur. Tu peux regarder le caméraman, ne me regarde pas. Ok, d'accord. Tu es venue avec ta grande sœur? D'accord. Elle s'appelle comment, ta grande sœur? Elle s'appelle Yagracia. On va faire un gros coucou à Yagracia qui nous suit. Gros coucou, Yagracia. Dis merci, Yaya. Gros coucou, Yagracia, merci. Mais tu récites fort, on ne t'entend pas, là. Poésie, les lignes de nos mains, les lignes de nos mains unissent les bouquets de nos rêves. Poésie, la ligne de nos mains, les lignes de nos mains unissent les bouquets. Unissent les.
On encourage l'autre, on encourage l'autre. On encourage. Merci. Allez, vous pouvez vous asseoir. La poésie, le groupe A. Le groupe A, la poésie. Qui n'est pas encore passé ici? Tu n'es pas encore passé, tu commences à pleurer. Alors, tu t'as fait ici, toi. Tu devais pleurer. Ah, bien, bien. La poésie. La poésie. La poésie. Vas-y, tu te lèves là. La poésie, qui n'est pas encore... Voilà, allez, devant, je ne suis pas encore passé. Les garçons, cette fois-ci les garçons, hein, c'est l'équipe des garçons. Toi, tu n'es pas passé le garçon. C'est l'équipe des garçons. Les garçons, les garçons. Allez, tu passes. Allez, viens. Tu te places devant. Les garçons sont courageux, n'est-ce pas? D'accord. Bonjour, mon ami. Bonjour. Comment est-ce qu'on t'appelle? Lala Ridouane. Tu t'appelles comment? Lala Ridouane. Lala Ridouane. Ah, ça, c'est un prénom rare. Hein? Et c'est quoi ton âge? Tu as quel âge? 7 ans. 7 ans, tu es en quelle classe? CE1. En CE1, c'est bien. Tu es venue avec qui? Maman. Avec maman, maman s'appelle comment? Maman Tara. Maman Tara. Maman Tara, on va faire un gros coucou à maman Tara. Dis merci maman de m'avoir amené au club des enfants. Merci maman de m'avoir amené au club des enfants. D'accord, tu fais aussi un gros coucou à papa qui va te suivre à la maison, sinon il sera jaloux. Hein? Coucou papa. Alors tu vas réciter. L'enfant et l'oiseau s'en va, bras dessus, pour prouver à tout le monde qu'un enfant est un oiseau. Sans le sang seulement quand il faut, c'était bon instant, tu sors Galice. On acclame pour lui. Bonjour Frangin. Bonjour. Comment est-ce qu'on t'appelle? Je m'appelle Olivier Jean-Fernand Espoir. Espoir. Mm-hmm. Tu as quel âge, Espoir? 7 ans. 7 ans, tu es en quelle classe? CP2. CP2, c'est très bien. Tu es venue avec qui? Mon Maria. Alors, un gros coucou à maman Maria là-bas. Dis merci maman Maria de m'avoir amené au club. Merci maman d'avoir amené au club des enfants. Super. Alors, tu vas réciter. On t'écoute. Poésie, le départ pour l'école. Écolier, réveille-toi, écoute ma voix. Cours vite à l'école, le temps s'envole. C'est pas bien froid. On la clap pour lui. Allez-y vous asseoir. Les derniers candidats pour la poésie, les groupes, les enfants, qui n'est pas encore passé. Nos amis ici, vous aussi vous avez participé, hein. Toi tu viens réciter, allez les amis de DF. Oui, vous n'êtes pas seulement là pour la danse. On veut vous voir aussi aujourd'hui. Alors, tu te places devant. Les candidats ici, un garçon. Tu veux réciter? Tu es déjà passé pour la poésie? Pas encore. Toi, tu es passé pour la poésie. Oui, pour la poésie. Tu viens. Et puis toi? Allez, on se place. Oui. On commence. Oui, par notre copine. Attends, ma chérie. Attends. Ah, tu es pressée comme ça, chérie. Ok, tu vas d'abord te présenter, ok? Hein? Alors, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on t'appelle? Lengouros Catherine. Catherine, tu regardes le monsieur qui te filme là-bas. Ok. Tu as quel âge? 5 ans. Tu as 5 ans. Tu es en quelle classe? Débutant. Débutant. Ouh là là. Alors, tu vas réciter pour nous, ok? On suit les autres, vas-y, récite. Poésie, l'enfant et l'oiseau s'envolent, moi dessus, vous pouvez à tout le monde, un enfant est un oiseau, dans le dessin de nous quand il faut, c'est un bon leçon, histoire, t'as dit. Oh, la clé pour elle. Tu restes là. Alors, donne le micro à l'autre. Bonjour Frangin. Bonjour, je m'appelle Ryan. Ryan, tu vas réciter pour nous, n'est-ce pas? Ok, on t'écoute. Poésie, ma mère que j'aime beaucoup m'a donné tout. Elle m'a soigné tout petit, on me l'a dit. Elle a balancé ma couchette blanche et propette. M'a appris à marcher pas à pas tenant mes bras. À dire un mot, puis à tout dire, même à sourire. Si je pleure, elle me console d'une parole. Évite son baiser charmant, me rend content. Je veux rendre heureuse ma mère ma vie entière. Travailler et l'aimer bien fort jusqu'à la mort. Jean Écart. On la clap pour lui. Tu passes le micro à l'autre. Tu restes là, tu passes le micro à l'autre. Tu reprends, tu regardes là-bas. Bonjour, tu parles. Bonjour. Fort.
Comment est-ce qu'on t'appelle? Je m'appelle Mouka Moïse Sétina. Tu as quel âge, Sétina? J'ai 5 ans. Très bien, tu vas réciter, hein? Alors, on t'écoute. Poésie, ma petite fille, je vois sa poupée, c'est sa vraie maman. Elle embrasse la caresse, mon bébé ne pleure jamais. J'irai avec ton drap, sous le coussin, elle pose sa poupée. Tout ça demande, rien sans moi. On la tient pour elle. Bonjour chérie, on avance un peu ici. C'est l'ambiance au club des enfants. C'est la joie. Vois, tu te places là. Voilà, et toi là. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on t'appelle? Kombel. Kombel qui? Kumba Kombel. Kumba Kombel. Tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Tu es en quelle classe? Je passe en CM1. Au CM1. Alors tu vas réciter? Oui. Voilà, récite. Poésie. Poésie, ma mère. Femme noire, femme africaine. Oh, toi, ma mère qui me porta sur le dos. Toi qui m'allaita, toi qui me gouverna, toi qui m'a ouvert les premiers yeux. Au cœur de l'Afrique, camarade Laï, l'enfant noir. On acclame pour elle. Alors, avant de vous asseoir, je vais vous poser une question. Comment est-ce qu'on dit je t'aime maman, je t'aime papa en Mounkutuba ou en Lingala? Qui peut trouver la réponse? Allez, qui peut trouver parmi vous le Mounkutuba ou en Lingala? Je t'aime maman, je t'aime papa. Personne en Mounkutuba, en Lingala. Vous parlez pas le Mounkutuba à la maison? Le Lingala? Oui, vas-y. Vas-y. Non, tu sais pas? Ben d'accord, on va appeler un candidat ou une candidate du groupe B. Non, non, le groupe B, pour faire la différence, ok? Oui, viens. Tu prends le micro là-bas. Je t'aime papa, je t'aime maman, en Mounkutuba ou en Lingala. Mouzol papa, mouzol maman. On acclame pour l'encourager. Alors, une dernière candidate ici pour finir. Je t'aime papa, je t'aime maman. Oh, tu vas pleurer, elle va pleurer, celle-là. Vas-y, vas-y. Je t'aime papa, je t'aime maman, Lingala. Voilà. La lingi maman nanga, la lingi papa nanga. Oh, la clé pour elle. Acclamez pour l'autre. Alors, on va clôturer. Nous sommes à la fin, mais pas totalement parce qu'on attend la délibération du membre du jury. Pendant ce temps, on va respirer dans la musique avec les enfants. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Comment? Ça va? Y a-t-il les enfants qui suivent la télé? Ouais. Quelle émission? Le club des Est-ce chic? Ouais. Est-ce cool? Ouais, 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 ouais. Chantons ensemble. Une émission de détente. Bloqué. Alors dansez, dansez.
acclame très fort pour les enfants. On acclame pour nous-mêmes, les enfants. On acclame encore pour le club, les enfants. Ouais, c'est formidable au club des enfants, chers parents. Donc, c'est donc la fin de toutes nos rubriques. Nous allons déjà à la fin de l'émission aussi, club des enfants. Alors, je viens d'avoir les notes des membres du jury pour la libération. Alors, le troisième groupe, c'est le groupe C, qui a 24 points. Ensuite, les enfants, c'est la délibération déjà par les membres du jury. Le troisième groupe, c'est le groupe C, qui a 24 points. Le deuxième groupe, le groupe A, qui a 31 points. Et le premier groupe, le groupe B, qui a 33,5 points. Alors, attendez les enfants, ne soyez pas excités comme ça, je sais que c'est chaud. C'est chaud. Alors, on va appeler le troisième groupe, qui a 24 points. Le groupe C. Le groupe C devant. Le groupe C, on a besoin du groupe C. On acclame pour le groupe C, les amis. On acclame pour encourager le groupe C. Vous avancez, le groupe C. Voilà. Voilà, on se place, le groupe C. Madame Beaujean, la membre de jury qui va passer, donner des petits cadeaux aux enfants de la part de notre sponsor. Reculez un peu en arrière, s'il vous plaît, les enfants. Reculez un peu. Il ne faut pas trop coincer devant. On se place. Tu recules un peu, chérie. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le groupe C, les amis? Merci pour le groupe C. On peut aller s'asseoir. Merci, le groupe C. On appelle le deuxième groupe, le groupe A, qui a 31 points. Le groupe A, on a besoin de vous ici. Le groupe A. Devant le groupe A. Allez, on se place ici, les amis, ici. Tu viens là, ma chérie. Voilà. Madame la jury, Madame Beaujean, qui va vous remettre des petits cadeaux. Le groupe A a remporté 31 points. On acclame pour le groupe A. On acclame très fort pour le groupe A. Ah, ne soyez pas méchants. Acclamez pour les autres, les amis. Merci. Allez, on peut aller s'asseoir. On peut aller s'asseoir. Et enfin, le groupe B. Et enfin, le groupe B qui remporte 33,5 points. Le groupe B, on a besoin de vous ici devant. Le groupe B. Voilà les gagnants. Le groupe B, vous reculez un peu en arrière, le groupe B. Les gagnants, le groupe B. On se place comme ça, en ordre. Voilà, faites la place à tout le monde. Voilà les gagnants. Les gagnants du jour, ils ont remporté des montres. On acclame pour le groupe B. Ils ont remporté des montres. De la part de notre sponsor Congo Yaourt. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le groupe B, s'il vous plaît? Attendez. Ne partez pas, ne partez pas. Ne partez pas. Présentez les montres. Les autres, on acclame pour le groupe B. Au club des enfants, on est comment? On est dans la joie, on est dans l'ambiance. Alors, tu vas nous dire, qu'est-ce que ça te fait, le fait que tu es gagnante? Tu parles fort, je vais t'aider. Voilà, tu donnes ça. Je suis contente d'avoir gagné. Tu es contente d'avoir gagné. Et qu'est-ce que tu dis aux autres qui te suivent depuis la maison? Ceux qui veulent venir au club des enfants, qui ne connaissent pas comment ça se passe, qu'est-ce que tu dis aux autres? Qu'est-ce que tu dis? Ils doivent aussi venir. Ils doivent venir. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour venir? Toi, tu as fait comment pour venir? Comment est-ce que les autres vont venir? Ils vont faire comment? Ils vont venir s'inscrire. S'inscrire, super. Ok. On acclame encore pour eux. Ça se passe au club des enfants, chers parents. Alors, si vous voulez aussi que vos enfants puissent participer au club des enfants, inscrivez vos enfants à notre direction MCRTV. Nous avons une surprise. Il y a un enfant qui va fêter son anniversaire aujourd'hui. Elle va se lever.
On va chanter pour elle. Allez, tu te lèves. Tu pleures? Pourquoi tu pleures? C'est ton anniversaire aujourd'hui. On pleure pas au club des enfants, ok? Allez, 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 on pleure pas. Allez, tu déposes ça là. On pleure pas au club des enfants, ok? C'est ton anniversaire en plus, faut pas pleurer. Allez, tu vas me faire un gros câlin, viens là. Un gros câlin, alors. Alors, on va chanter pour elle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On acclame très fort pour elle. Chers parents, MCRTV NF convie les enfants de Pointe-Noire, dont l'âge varie entre 5 et 13 ans, de prendre part à une émission de divertissement qui leur est dédiée, Club des enfants. Attention, les inscriptions se font du lundi au vendredi de 9h à 17h. Enregistrez vos enfants au 06 564 3100. Sponsor Congo Yahoo.